Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on va faire un gazpacho avec les orties. Donc là, on a les feuilles d'ortie. Ici, on a un petit poivron, un quart d'oignon. Donc là, j'ai mis quelques brins, donc là, de gingembre. Ici, on a une courgette. Là, on a un concombre. Quelques feuilles également de menthe. Quelques feuilles de menthe. Je mettrai quelques grains de chia pour l'énergie et quelques noix de cajou. Et ensuite, un avocat et on mettra du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Voilà, c'est parti. Je mets une petite poignée comme ça de noix de cajou. Là, il y a environ 30 grammes en fait. Voilà. Donc, les graines de chia, c'est obligatoire. Moi, j'aime bien. Je mets également une petite poignée comme ça de graines de chia. Voilà. Et je vais mixer tout ça. Donc cette soupe est bourrée en fait d'antioxydants. C'est également une bonne soupe en fait pour ne pas prendre du poids donc durant la semaine de confinement. Je vous demande en fait de le faire tout le temps. Il n'est pas très calorique. On a environ 100 kilocalories pour 100 ml quoi. Donc voilà, vous pouvez en abuser et garder le poids. Vous trouverez les orties soit en forêt, donc soit dans votre jardin. Ne ramassez surtout pas en fait les orties qui sont en bordure de champ, parce que si c'est pas un champ bio, on peut avoir des pesticides là-dedans, ou alors les ramasser en bordure de route. C'est bourré en fait comment dire, de produits chimiques et de métaux lourds dus au gaz d'échappement de voiture. On a ça. Je rajoute l'avocat. Donc ça, c'est du persil haché. Du sel et du poivre. De l'huile d'olive. Donc vous avez vu, en fait, c'est très facile à faire. Ça prend à peine 5 minutes. Et là, on va passer à la dégustation et on vous dira le verdict. Donc avec ce petit soleil, on a décidé de manger dehors. Donc là, il fait super beau. Et puis la soupe, en fait, à ce moment-là, ça tombe également bien. Donc elle est fraîche, elle est bonne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de nous encourager comme ça pour faire les prochaines vidéos. Et également activer la cloche. Je vous dis comme ça, à très bientôt. Au revoir.